L'hôpital est souvent le premier contact pour des patients atteints de maladies mentales, souvent dans des mauvaises conditions, parce que ça peut être dans les conditions d'urgence. Ils arrivent au service d'urgence. Et notre premier enjeu de prévention, c'est de ne pas passer à côté des premiers signaux d'alerte et de pouvoir faire une suite. C'est de ne pas faire en sorte que soit ignoré parce qu'on s'est concentré sur le somatique ou parce qu'on s'est concentré sur l'urgence, sur le signal d'appel que peut être un passage dans un service d'urgence. Et donc si on veut éviter que la maladie mentale se constitue, que la maladie mentale soit prise en charge, que la maladie mentale soit plus difficile à traiter ou que la maladie mentale ait des conséquences graves, il faut pouvoir brancher l'exercice, pouvoir brancher une bonne prise en charge, spécialisée, adaptée, dans les bons services, dès que les premiers signaux nous parviennent. Donc ça, c'est un enjeu fondamental.